Ben, fait que, le trouble, c'est que j'ai pas parti le jeu, ça sera pas trop long. Désolé un peu de l'attente. Ouais, welcome. Salut Beaufix. Là, ça va être plus facile à tuer des animaux. Là, je pense que je vais commencer puis je vais en tuer un tout de suite en partant là, pour me défouler là. On va faire du bien un peu. Fait que, ben, on continue notre partie. À subsistance, solo. Bonjour tout le monde. De politesse avant. Fait que, on est rendu à 184 jours de survie. Encore toujours 5 morts. Bref, on est rendu à une moitié d'année de fête. Déjà, ça va assez vite. Incroyable. Et voilà. Hey. Bon, fait que on va commencer par ralentir un peu ma souris qui était Speedy Gonzalez. 290 d'électricité. On n'a pas beaucoup. Malgré qu'il fait beau, là il fait quoi? Milieu de journée, fin de journée, on est correct. Il y a plus d'électricité qui rentre de toute manière qu'en sort. Excellent. Fait qu'on va mettre des graines ici. Voilà. Fait que. Biocarburant. 34 clous, on a un petit peu trop pour rien. On va prendre. Hop. On va remettre feu et bûche. Voilà. Je bois plus à cette heure les pieds dans l'eau. Tiens. C'est parti. Un, deux, trois. Bon, c'est fait. Il est mort, ça m'a pas pris de temps. Ça a fait du bien. Tiens-toi. Non, mais. Dans le jeu-là, quand les chiens écoutent pas, c'est ça qu'on fait. On les tue. 8. 8, 8. Le poulailler était combien? Il est bien. On va mettre ça tout de suite dans le frigidaire pour pas perdre le stock. Ça, c'est les cuits. Ça, c'est le cru. Voilà. Ok, là, lui, il coûte encore cher d'électricité. 0.15, 0.11. Faut manger un peu avant de partir. On va manger. Tiens. Puis. C'est vrai, les légumes sont plus là à ce temps. Ils sont ici. Attends. Tomate. Tomate. On se prend une petite gourde d'eau. Voilà, et on est parti. Oh, une autre au cas où. On est parti.
Couletos. Putain, toi. Ben, j'aime bien mieux cet arc-là, ce jeu-là. Oh, un coffre ici. On va aller voir s'il n'y a pas des coffres militaires. Coton. Allez, cours et trouve le coffre militaire. Allez, allez. Pas de coffre encore. Il n'a pas pantoute. Deux pommes. Oups, non. Bon, on oublie ça, on va aller fouiller ailleurs. On va continuer à ramasser des perles un peu aujourd'hui. On va en profiter pendant que l'eau n'est pas gelée. Ah, oh, yes, il est là! Ah, 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 ah! Donne-moi des pièces d'armes. Oh, 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 oh. Hey! Je pense que le développeur m'a barré, Steve. Bon, je le mérite pas. Ben, j'ai pas été bon pantoute, Colin. Mais t'avais raison, j'aurais pas dû acheter l'arc en premier, par exemple. J'aurais dû acheter une carabine puis un scoop. Je dis pas que je vais pas la repartir, mais je pense qu'il y a des petites mises à niveau à faire comme le chien, là, franchement. Pas super. Pas super, je m'attendais à m'attacher, je pensais que ça allait être le fun. Je te dirais, je commençais à être tanné de lui, là. Je commençais à me pogner les nerfs. Mais ma question est, c'est que je regardais le temps et je me demande si je vais pas me demander un remboursement. Et là, je suis pas loin du 2 heures, mais j'accote pas le 2 heures. C'est le chien qu'on l'attache, pas toi. Salut, Pépito! Salut, salut! Ah, j'ai pas regardé, je vais regarder ça demain, là. Launcher avec Epic, là, savoir qu'est-ce que je pourrais trouver. Je pense que je vais le désinstaller, puis je vais le réinstaller, mais il me semble que je l'avais fait. Puis, ça va rien changer, mais je vais me réessayer pareil. C'est plate, ça. Alors, on commençait à mettre des pommes de côté, au cas où. Voilà, ici. Tiens. On pourrait se refaire tout de suite une autre clé, par exemple. Ouais, on se fait ça tout de suite.
Une autre clé pour le coffre militaire. Voilà. J'aurais pas dû flatter mon chien comme ça tantôt. J'ai plein de poils d'en face. Il manque 500 de masse. Ben, ça sera d'électricité, je veux dire. Ça sera pas long, ça. Putain. Là. Bon. Poulet. Découpé. On va mettre ça dans notre friche d'air. Cru. Voilà. Je regarde ça, c'est demain ou samedi, là, je vais gosser là-dessus pour que ça se débloque, là. Les tendons. 5 autres tendons. Tabarnouche, il y en avait dans le coffre, par exemple, des tendons. 89. C'est bien. Oh! Ouais, 5 adhésifs. Et toi, après ça, des feuilles d'alliage. Quand je les ai mis ici, ouais, 12 feuilles d'alliage. Je pense qu'on va aller finaliser. Ça a l'air fou, les escaliers comme ça. On va aller arranger ça tout de suite. Et toi, voilà, on va renforcer le tout. Commence à préparer ça pour les chasseurs. Pas pire. Bon. Feuilles d'alliage, on les mettait ici, on disait. Ouais. On va le remettre dans le milieu ici. Bon, on doit être pas pire là pour faire la clé. Non? Bon. On va les ramasser, voir s'il n'y a pas des légumes à ramasser. Il n'y a rien, rien. Ah, ici. Une. On va mettre la graine de coton vu que c'est long. Ça rime en crème. Hein? Les circuits, il m'en a donné quand même 4. Fait qu'on est revenu à 16. C'est pas pire. On fait notre clé. Voilà. On apporte un peu de clous, 4 balles de carabine. Bon, on va refouler nos guns. On va leur peut-être bientôt penser à les réparer. Je pense qu'on va faire ça là. Lui. Planche. Réparer. Et hey, ça coûte rien. Ça coûte rien les réparer. Après ça ici, lui encore, 2 autres planches. Parfait, mon linge est correct. Fait que... Ferraille. Un, deux. Voilà. C'est fait. Tout est réparé. Ouf. On est encore dans le mois de novembre. On a encore du temps en masse. On a combien de perles? On a 58 de côté. Fait que, on commence à être bien. J'avais dit le chiffre chanceux, c'était... Ben, le minimum, c'était 50.
Je me disais que j'allais être à l'aise avec 70. 70. Si je peux avoir plus, pourquoi pas? On va en faire des. Au moins 70. 70, ça va être correct. Tiens. Ça, c'est beau. Ah, on va aller voir nos poulaillers. Oh, la neige! Oh! Poulailler. Tiens-toi. On va remettre. Pop, 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 pop. Ah, c'est vrai, on peut les tomates. Hey, quand t'es habitué que ça y a une place. Un, deux. Deux ou trois. Trois. Ouais. Voilà. Ah, oh, deux, c'était en masse. Ah, oh, ouais. Ah, oh, c'était pas là, Dom. C'est là. Voilà, mange-le donc quant à ça. Hein? On ferme la lumière. L'électricité. On est bien. Les frigidaires fonctionnent toujours. Ah, ici, le feu. 236. Ça veut dire que le poulailler doit être assez full. 258. On va remplir nos gourdes. Bon, c'est fait. Voilà. C'est quoi le jeu? Ah, ben c'est vrai, si tu connais pas ça. Ben, je te présente mon meilleur jeu. Un jeu de survie qui s'appelle Subsistance, qui est en Early Access depuis au moins 4 ans. C'est un jeu de survie, je te dirais, qui fait partie du hard, assez dur. Comme là, moi, je suis en mode le plus hard, là, mais. C'est dur. Ça fait au moins 2 ans que je joue au jeu. J'ai au-dessus de 1200 heures et plus de dépasser dessus. Ben, c'est un PVE. T'as des Pudgies, là. T'as des petits. Regarde, ça, c'est un orignal. Gueulez. Ben, regarde, on va s'amuser. Là, je vais te montrer le plaisir de ce jeu-là. L'orignal, très dur. Il tue quasiment de rien. J'ai une mauvaise expérience avec l'orignal. Surtout que j'ai essayé de le tuer à coups de hache. T'es pas supposé de l'approcher. Je sais pas comment j'ai fait. Par un bug, j'ai réussi à l'approcher. Puis j'ai donné un coup de hache. Il m'a tué instantané. Fait que je vais te montrer comment il est tough. En étant proche de la maison, là, en hard, tuer un orignal comme ça, c'est. C'est baveux. Habituellement, la première flèche que j'y tire, il se sauve. Ah, je l'ai manqué. Fait combien 0 degré, il fait froid? Parce que là, je suis au mois de novembre. Regarde, ça, c'est ma petite maison avec les éoliennes, panneaux solaires. Fait que le but, ben, c'est pas pour rien qu'il appelle le jeu subsistance. Il. Très tough. Très, très, très dur. Si un jour ça t'intéresse, c'est un jeu qui est très le fun, très intéressant. Quasiment illimité. Je joue aussi comme demain, je vais jouer avec une gang. On joue en coop. Toute une gang ensemble. On est rendu quasiment 8-9. On se fait toutes des constructions partout. J'ai plusieurs modes. Même j'ai un mode facile là, que je peux plus construire parce qu'il y a trop eu de construction. Tu sais, comme là, il fait 0 degré, je peux résister jusqu'à moins 7,5. Mais regarde la linge que j'ai. Fait que là, j'ai pas mis mes affaires. C'est ça. Ben, il y a des. Comme là, ils sont pas activés. On appelle ça des chasseurs. Comme demain soir, on va être dessus. Mais avec les chasseurs activés, mais en mode normal,
Ils se font, eux autres, des maisons, là, puis ils viennent nous attaquer, puis ils sont tough, là. Tu verrais ça, là. Ils sont vraiment tough. Ils peuvent te tuer quasiment de rien. Ils sont vraiment bien faits. Franchement, le IA, l'intelligence artificielle, là, ils sont durs à tuer, là, les chasseurs. Là. En version très facile. Ben, au point de vue de chasse, oui, mais... Tu meurs pas à Hunting Simulator. Celle-là, tu peux mourir. Il y a vraiment plusieurs facettes de ce jeu-là qui est très intéressant. C'est un développeur qui est tout seul. Cold Game qui s'appelle. Très gentil. Très bon, mais le jeu, il se développe très tranquillement. C'est ça qui est le problème. Mais le développeur est à l'écoute du monde, puis il modifie. Il prévoit pas d'avance. Il va avec son feeling, puis franchement, il commence à avoir un jeu quand même qui commence à être très complet quand même. Là, c'est pas du humping. Oh, gars, il est encore là, le rignal. Ouais, c'est pas fou, ça. Sans zombies, ouais. Mais les chasseurs sont pas payés. On va te dire, c'est le fun. Après ça, il y a une grotte avec des chauves-souris. Il y a des sangliers. Ben ça, c'est, ils viennent de le mettre. On a des très grosses constructions. Là. En hard comme que je suis, là, c'est très dur. Ce qui fait que c'est tout seul, c'est long aussi à farmer. Hein. Comme pogné dans une tempête de neige, là. Hunting? Ah ouais? Ah. Ça, moi ici, je veux dire que j'ai pas trop... J'ai pas trop aimé mon expérience. Ils sont assez rugs, merci. Hey, toi, là. Là, je pisse le sang partout. OK. Ah! Le sang roule. Je perds tout mon sang. Sais-tu, Beaufix, je suis de m'en parler de ça là, justement aujourd'hui. On voulait peut-être trouver un moyen de repartir notre partie à facile. Puis d'enlever certaines affaires pour qu'on puisse reconstruire. Continuer à faire construire parce que... Chupin a dit, garde, il est beau. Papé aussi, il a hâte d'en rentrer. Titi Fred aussi. On y pense peut-être de rentrer dedans puis faire un ménage un peu. Puis comme ça, on va pouvoir construire. Ça serait une idée. On y pense de retourner aussi tranquillement, là, un peu, sur notre mode facile. Non, on va y aller au Tigan pour le fun. Il était... Il va en diagonale. Tiens-toi. Okay, c'est vraiment un jeu qui est basé sur la survie, par exemple. T'sais, il est quand même assez dur. T'sais, comme les éoliennes puis mes panneaux solaires, ça donne pas grand-chose. Mais tu peux te faire des bons petits plats. Ça, c'est mes réserves. Tiens. Ah ouais, t'as fait un remboursement, Hunting? Ben c'est, je vais être honnête avec toi là, j'ai arrêté avant mon 2 heures complet là, puis je sais pas moi aussi, peut-être je pense de me faire rembourser. Oh, mon poulet. On a un petit poulailler, on peut faire de l'élevage de petits poulets ou de petits lièvres, qui sont les deux de niveau 10 en ce moment-ci.
Niveau 10 sont au niveau maximum. On les laisse engraisser. Ils commencent par le niveau 1 jusqu'au niveau 10. Là, ils sont rendus au niveau 10. Fait que qu'est-ce qui est le fun? Le poulet, il nous donne un bon gros poulet complet avec 7 plumes supérieures pour faire des flèches qui font mal. Puis des plumes, qui est merveilleux pour se faire des flèches. Puis après ça, ici, le lapin, lui, il me donne plus de tissu. Puis une sorte de viande supérieure de lapin que je vais pouvoir me faire des cuissons ici dans le four. Sauf que là, la seule chose dans l'équipement, j'ai juste la poêlonne, la poêle à frire. Ça va me prendre les deux autres aussi, qui coûtent extrêmement cher à farmer. Fait que c'est dur à les avoir. Mais là, en ce moment-ci, je peux quand même me faire des galettes de pommes de terre. Je peux me faire des foies et oignons. Et steak et œuf. Fait que... Hey, salut René! Tiens. Yes! Un peu déçu, là. C'est ça qu'on se disait. Justement, qu'on se disait, moi, puis Matchman, là. On déçu de Hunting. Même le chien, j'étais quasiment maudit après, là. Je pensais, j'aime mon chien, écoute, regarde un chien. Là, j'y ai préparé mon chien avant. Parce qu'il regarde la TV, mon chien. Le pire, c'est que c'est vrai. Et c'est vrai qu'il regarde vraiment la TV. Puis je disais, regarde, tu vas voir un chien là, qui va m'écouter. Je prends référence de ça. Tabarnache, je m'en suis voulu. J'y ai montré que ça ne m'écoutait pas plus que dans la vraie vie. Ah, oh, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Non, mais... Je pense que j'avais vu une vidéo, un live de quelqu'un, il y a à peu près 2 semaines, qui avait joué à ce jeu-là, justement, puis qui avait dit, le chien, ça sert pas à grand-chose. Fait qu'on met de l'engrais, ça, c'est notre plantation. Fait que, pour avoir des légumes, du coton... Fait qu'on peut mettre un petit peu de caca d'animaux. Ça l'aide à pousser plus vite. Voilà. Après ça, il faut que tu raffines des minerais. T'as du cuivre. Ça, c'est les autres qui sont raffinés. Ça veut dire fragment de zinc, fragment de cuivre ici, fragment de fer. Puis ici, ben j'ai mis mon cuivre puis tout ça. Comme là, on va se faire... On va se faire une coupe de lingots de métal. Ouais. Ouais, on va se faire des lingots. On en fait au moins 3. Fait que 30 puis 15. 30. 30 fragments et 15. Ah, ben, attends, les 15 sont là. C'est parti. On part ça. On va commencer à se refaire une autre réserve. On va commencer à en refaire d'autres. Je vais aller chercher ça. Après ça, on a une petite machine juste ici dans le coin. Une foreuse qui s'en va chercher directement dans la terre les minéraux que je veux. Comme là, j'ai dit, tu vas aller nous chercher du fer. Fait que là, il nous donne des fragments de fer, mais non raffinés. Qu'on fait raffiner ici. Et qui recoute de l'électricité comme de fait. Malgré que là, quant à ça, on va se faire... Tiens. C'est parti. Je vais te dire, beau fixe, je suis pas mal mieux chasseur dans la vraie vie que dans les jeux vidéo. C'est pas pareil. Ils sont pas encore dans la simulation. Oh, on s'amuse pareil. C'est le fun pareil. Tiens. Et voilà. Ici, on va remplir nos gourdes. Fait que là, vu qu'il fait clair, ça, c'est du gras que j'ai mis là-dedans puis qui va me le transformer en biocarburant en le faisant bouillir.
Fait que là, on va prendre un petit peu l'eau. On met ça ici, on va remplir ça, on bouffe un peu, puis là, ça va être le temps d'aller looter, d'aller chercher le stock. Voilà. Un, deux, trois. Tiens-toi, c'est merveilleux ça. Les plumes, on va s'y mettre de côté dans... Ou les balles. C'est rare qu'on voit autant de balles que ça dans ce jeu-là, mais je suis assez habitué de me réserver en balles, qui fait que je n'accumule. Tant mieux, c'est pas mauvais. Je mettais ici, je mettais des plumes. Je voulais en mettre un peu de côté. On va se refaire une coupe de flèches pareil. Bon, on va se refaire des bâtons. Puis on va aller bûcher un peu de bois. Le loot, par exemple, à ce jeu-là, il est très, très lent. On va bouffer avant. On va aller faire des perles avant que l'eau gèle. Là, je suis rendu au mois de novembre. On le voit ici. Mais rendu à mi-décembre, l'eau gèle. Moi, je suis en mode 365 jours. Fait que... Je vais vraiment faire 365 jours. Bon, on va bouffer. Qu'est-ce qu'on bouffe ici? On va finaliser les autres sites. On va, la prochaine nuit, on va se refaire de la bonne bouffe. Ça, c'est bien. Après ça, on ramasse. Une petite pomme. On est bien. On se prend une petite gourde pour le chemin, remplir ça de bois pour pas perdre le feu. Donc, tout a l'air bien, le génératrice ça marche, mais il reste plus bien grand chose. Bon, on a 1000. 1000 d'électricité. On va en mettre une. Tiens, les trois ici. Tiens, un petit 3. Fait que quand l'eau va geler, il y a une chose qu'on a besoin beaucoup, c'est des perles. Puis là, ben... on n'a pas tant que ça. N'a pas. Maudit hard, Colin. La chose qui arrive en Horn, c'est que j'ai pas de ressources, j'ai pas rien. Mais, c'est pas grave. Minerai de gris, ça ne tente pas. Fait qu'il y a des ressources aussi qu'on peut ramasser dans l'eau. C'est pour ça que j'en profite avant que l'eau gèle, parce que ça sera plus accessible. Dans le coin de la boue, il y a une grotte. Donc, il y a des chauves-souris puis qui donnent des diamants, des fragments de diamants, qu'après ça, tu peux faire des diamants avec. Pas de perles pantoute. J'ai un petit verre ici. Bon, on va aller chercher. On va aller le chercher pareil. Voilà. Juste aller un peu à la surface. Des poulettos. Ah, le sanglier qui est là-bas.
il s'en va. Mais pourquoi tu t'en vas de même, le sanglier? Hé, l'ours vient de le manger. Ah, ben, tabarnache. Ah ouais, toi, l'ours. Ah ouais? Viens, t'es. On va aller chercher le sanglier tout de suite. Mais avant qu'on le perde. Tais-toi. Et perdu. Ah! Ah! J'ai perdu mon sanglier. Ça, t'as bien raison, beau fixe, là-dessus. Ça, c'est un petit problème. Que la neige soit en dessous de l'eau, c'est pas normal. Même que quand on a dans nos maisons, il neige dans les maisons, tu sais. Il y a un toit tout, ça serait pas supposé de neiger. On va se laver les mains. Pour pas pogner l'infection. 38 de vie, je suis pas beaucoup. Hein? On a encore. On va checker ici des perles. S'il n'y en a pas. Speaking 9, non. Tiens. Ça, c'en est une perle. Les rares perles. Je vais aller cogner un peu sur le coquillage. Et voilà. La perle est ramassée. On l'avait pris la clé tantôt. Ouais. J'ai du stock pas mal sur moi. Oh, c'était l'ours de tantôt. Il m'a donné pas mal de stock. Là, je m'en vais de l'autre côté. Il y a une place vers là-bas qui a souvent un autre coffre militaire que ça prend une clé spéciale. On a nos spots, ils sont quand même stratégiques, ils sont quasiment tout le temps aux mêmes places. Chupin est en train de préparer quelque chose pour me faire une page, des pages, en tout cas, pour améliorer le live. Elle a l'air d'être concentré. Merde. On est ici, juste en hauteur, ici. Une plateforme que le loup va nous laisser tranquille. En haut complètement. Fait que quand on arrive sur une plateforme, ben surtout les loups, eux autres, ils se sauvent après ça. Fait que là, on a la paix.
C'était pas tard, beau fixe. C'est pas une plateforme, c'est un plongeoir. Ouais. Merde. J'ai tiré juste à côté. On va reprendre notre flèche. Caler la maudite flèche. C'est bon. Et on devrait y mettre un petit peu plus visible les plumes. Oh 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 oh. Bon. Quoi? Pas de coffre encore ici? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de pas normal ici. Bon, ben on va retourner chez nous tranquillement. On va regarder s'il n'y a pas une coupe de perles ici dans le coin avant de partir. Au cas où. Pas de perles. Bien. Il s'est sauvé. Avec le coucher de soleil, on en retourne tranquillement à la maison. Pour pas se faire pogner par la noirceur. Voilà. Lula. Bon, on va regarder pour des perles ici, si des fois qu'il y en aurait. Nya. Pas de perles. Non, il m'a pas senti. Non. Non, il s'en vient tranquillement, mais. Non. Youh! Parce que dans l'eau, se faire poursuivre par un ours, c'est pas une bonne idée. On meurt. J'ai perdu une vie à cause de ça, d'un chien. Dans l'eau de même, moi je me plongeais de même, puis il est venu me chercher, puis il est venu me tuer. Ça n'a pas été long. Oh, les éoliennes ne tournent pas bien, bien. Poulailler, on n'a plus. Bon, on va mettre le steak dans le frigidaire. Voilà. Voilà.
Tiens-toi, ici. Oh, on va les boucher un peu. On va les boucher. Un peu de bois. Faut boucher une petite affaire. C'est un petit coffre, on le ramasse. Tiens-toi. On va se dépêcher de ramasser un peu de bois avant la noirceur. Voilà. On va prendre l'arbre à verre qui est ici. Finaliser le bois. Bon, on va être rendu à 30. Pas pire ça. Parfait, on revient à la maison. Une petite lumière. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est bien. Perle, on a juste trouvé une aujourd'hui. Ça n'a pas été extra. C'est bien, ça c'est bien. Bon, on va partir un peu de bouffe. On se part quoi? Foie et oignon. Tiens. Foie. Oignon. Foie et oignon. Un. Deux. Trois. Hein? Merveilleux. Ça, c'est bien. Les plantations, ça a poussé. On remonte ça. Voilà. Ici. On va boire l'eau. On va commencer à s'occuper de nos plantations. On avait une coupe de graines. Une, deux, trois. On va commencer à mettre ces graines-là. Ok, une, deux, trois. Puis après ça, on peut créer des graines avec ce qui reste. Vu qu'on va faire pas mal de foie et oignons, on va faire pousser des oignons un petit peu plus que d'habitude. Comme ici, il n'y en a pas. Un, deux. Pas pire, ça. Ici, un. J'aurais pu mettre un peu de carottes, par exemple. Pas grave. On en mettra plus tard. Ah non, c'est vrai, c'est pas ici qu'on les met à cette heure. On les met ici. Voilà. Premier steak et œuf de fait. Merveilleux. Fait qu'on le prend. Notre frigidaire de cuit. Hein? Voilà.
La bouffe est en train de se faire. On va finaliser nos plantations. Ça, c'est beau. C'est tout planté à grandeur. On va s'occuper des remplir d'eau. Tiens-toi. Après ça, on va remettre un peu d'engrais. Ça va aller pousser plus vite. Voilà. Hop. Toi ici. Toi ici. Quand t'as hâte. Tu vas être full. Et voilà. Ça c'est fait, la bouffe est encore en train de se faire, fait que là on les a remplis. On pourrait prendre un petit peu de kéké. Ou ça c'est de la cendre. On va les remplir au bout de la cendre. Ah oui. Et tiens. Fait que demain ça va pousser. Ça c'est prêt. Voilà. Tabarnouche, en es-tu? Attends, on devrait mettre ça là et ça ici. On devrait faire du biocarburant avec ça, par exemple. Tiens, on va s'en faire. Hein? Voilà. Ici, la bouffe est prête. Foie et oignon. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va manger ça aussi. C'est fait. On ne l'avait pas mis ici. L'électricité. On est rendu à 495. Il y en a 0.45 qui rentre, mais 0.62 qui sort. Ça coûte cher. Il faudrait baisser ça de 0.12 ferraille. Une corde, la ferraille, 600 d'électricité. OK. Hey, j'ai un bug. Pense pas. Il me semble qu'il y a du biocarburant qui arrête pas de réapparaître. Ça doit être moi. Je sais, mais. Ça se peut pas. Oh, coffre là-bas. Oh, on est full. On est bien. Fait que c'est parti. Tiens, ça ici. Voilà. J'ai vraiment un bug. Ben, Colin, on va en profiter. Les biocarburants réapparaissent dans mon équipement. 9-1, 9-2, là, on est 3. Là, j'y mets dans le gant. J'y mets ici. J'y remets là.
Je repars, puis ils réapparaissent dans mon inventaire. Bizarre, hein? Là, je pensais que c'était un bug, mais c'est vraiment un bug. Je pensais que c'était moi, là, je jouais avec mon problème d'Alzheimer. Hein? Il est plus là. Mais tantôt, je te le dis, j'ai pris la peine de le mettre. Je suis en bon. Je reviens, j'arrive là-bas. Toc! Ou je suis trop fatigué ou j'en ai perdu un bout, là. Mais il me semble qu'une fois, deux fois, mais là, ça a fait trois fois. Non, il est plus là, là. Il réapparaît plus. Hey, je vais rechecker ça, là. On a notre clé. On va aller voir si des fois, ici, il n'y aurait pas notre petit coffre militaire, là. Pour pas avoir de... On veut pas de pièces d'armes. Hey, le sanglier. Qu'est-ce que tu fais, là? On n'en veut pas de pièces d'armes. Oh, non, non, non. Je vais checker un petit peu plus loin ici, des fois. Wow. C'est pas grave. On va looter un peu plus par en haut. Ben, tiens. 7 degrés. On a comment 16 flèches. On va se refaire un petit peu de petits bâtons. On va aller faire peut-être un ou deux petits pumas. Il m'a senti. Lui ici, il va me sentir. Non. Non, il m'a pas senti. Merveilleux. Ça, ça a été une bonne idée d'homme d'en mettre un ici. Une belle petite plateforme à côté de cet arbre à verre là. Fait que comme ça, si le puma me suit, j'ai un échappatoire. Faut pas que je l'oublie. J'ai pas besoin de descendre en courant jusqu'à la maison. On va faire un petit peu moins. Oh ouais, donc. À moins que c'est lui qui va m'avoir. Ça, ça se peut, ça, par exemple. Mais. Il y a une chose que j'ai faite à ce jeu-là. Je les ai rendus dociles. Les pumas, là, ils m'écoutent. Au doigt et à l'œil. J'ai hypnotisé. À ce jeu-là. Oups, à l'aide, Calif. De Calif, il est là. Là, je pourrais pas l'hypnotiser. Il y a une manière. Il y a une manière. Et il est là. Il faut que je le tire à peu près ici. Ok, il est là. On va y envoyer une petite piqûre de maringouin. Non, 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 non. Viens t'inquiète. Vers là.
Ouh! Hey! Non, c'est pas vrai? Là, il... Des fois, il faut que je montre un peu ses kilomètres. Là, il écoute pas, là. Il est frustré. Là. Hey! Hey, où t'es, mon Colin? Qu'il est? Il est là. Je pensais qu'il était en dessous. Là, c'est la technique. Là, c'est ça, la technique. Ben ça, vous allez voir. Une flèche, là. Tiens. Puis après ça, j'ai dit, j'atteins ici, je bouge pas. Puis là, j'ai dit, présente-toi juste devant moi. Je pointe. Puis il va être juste, il y a une marque. Il y a une marque sur le plancher. La marque qui est là, là. Tu te présentes ici. Parce que j'ai tiré trop souvent ici, ça a fait une marque. Il y a ça. Juste là. Galet. La tête est là. Il se présente. Tiens-toi, mon ami. C'est comme ça qu'on tue des gros pumas. C'était difficile. Pas besoin de chien, hein? Les minous écoutent. Quand les minous écoutent, on n'a pas de problème. Ben, toi. Viens-t'en, mon petit minet. Fait que les autres, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Des tendons. Qui est assez rare. Parce qu'à hard, tuer un puma, c'est assez... Faut en avoir tué plusieurs fois pour les connaître par cœur. La ferraille, ça oui. Bon, va-t'en donc, poulet. On s'en va à l'autre. Quand ailleurs, il fait 8 degrés, on gèle pas. C'est une belle journée, on va en profiter. C'est pas mal mes dernières belles journées avant l'hiver. On en a encore pour une secousse, là. On en a encore pour au moins, on est encore dans le mois de novembre, au moins 16 jours avant que l'eau gèle. C'est pas 17-18, on doit être à veille par exemple, du mois de décembre. Novembre. On est encore au mois de novembre. Parfait, ça va nous donner le temps en masse de finaliser ce que je voulais faire. Pas de puma. Des fois, il est plus haut. Ah, il est là. Ah, puis il est bien sur le côté, en plus de ça. Oh, Colin, c'est magané, ça, ici. C'est vrai, tantôt, je ne l'ai pas réparé. Il avait magané une petite affaire. Attends, on va réparer. Dans toi. OK, c'est parti. On va lui donner une petite piqûre de maringouin. Et voilà. Viens-t'en ici, puis là. Par où qu'il s'en va, lui, là? Tu t'es pas dompté de même. Là, je vais te donner un coup de fouette. Là, je vais te montrer. C'est... Quand tu m'écoutes pas, c'est ça qui t'arrive. Ah ben! Tu veux me répliquer? Bon. Non, mais c'est un animal qui écoute pas tout le temps, hein? Tiens, toi. Là, il écoute. Gentil minou. Dix-sept. Tiens, toi. Pour réparer nos affaires. Ça, c'est réparé. Ça, c'est parfait. Ben.
Bon, on va redescendre tranquillement. Tabarnouche, il y a des animaux là. On va descendre par ici. Bien tranquillement. Oh, le pouletos. On va checker s'il n'y a pas un coffre militaire ici dans le coin. La place à Starkiller. Il en a souvent pogné. Puis c'est vrai que une couple de fois, je passais ici, puis il en avait. Il y a une petite, caisse. Ah! Ah ben, tabarnak. Sur le rocher. Wow! Merde! Je peux-tu aller le chercher? Ah! Non! Je veux pas le perdre. Tabarnage! Il est resté proche pareil. Je suis pas capable de m'approcher du coffre. Il est plus là? Oui, il est là. On va essayer de sauter sur le côté. Merde. Merde. Hey, c'est cruel. On peut-tu sauter de l'autre côté puis faire le bond de l'autre bord? Ouais. Oui. Bon, là, je m'en fiche. Je veux le coffre. Et là, c'est dangereux avec l'ours. Là. Il est là-bas. Deux secondes. Tabarnouche. Y'a pas d'ours. Y'a pas d'ours. Y'en a pas. Une tabarnage de colif. Il est en train de une grenier après. Elle maudit. Hey, là, je vais écrire au développeur. Hey, t'as fait quelque chose contre moi, là. Quoi? T'as enlevé toute chance que j'aille des pièces d'armes. Je suis sûr qu'il fait. Non, non, t'actives les chasseurs. Tu vas activer les chasseurs. Ils vont te tanner au point que je vais pogner les nerfs. Oh, le tabarnouche. Pas une farce. On va aller porter le stock. Ça me fait penser comme au Québec. Hier, c'était une grosse tempête de neige, puis aujourd'hui, c'est une superbe belle journée. Toi, là. Niveau 3. Reste chez vous. C'est chez nous, ici. Deux secondes, je me suis trompé. Bon, on va aller porter le stock. On va aller se refaire un autre.
Une autre clé militaire. On va mettre le steak dans le frigidaire. Ça, ça. Ah non, merde. On est dans le. Dans le cuit. Ah non, je viens de tout contaminer la viande. J'ai mélangé le cru avec le cuit. On a quand même ramassé 10 tendons. Ça, c'est excellent, ça. Après ça. Puis au carburant. Merveilleux. On a 53. On a un bon paquet. Je veux dire, ça, c'est des toniques. C'est pas biocarburant, c'est du tonique, d'homme. Ben, ça, 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 ça. La graisse qui est ici. Et voilà. Donc, ça, c'est bien. Fait que là, on va raffiner ça. On va en prendre 18. Pour s'en refaire une autre clé. On va juste partir un peu la génératrice. Et voilà. Donne-moi la clé tout de suite. Voilà. De l'adhésif, on en a pogné encore plus. Après ça, qu'est-ce qui resterait ici? Dans le conine. Du 44. Du 10 mm. On va remplir ça. Quand on aura rempli nos guns, on va être bien. Un circuit, c'est pas énorme. Ça monte tranquillement. On refoule nos armes. Le 12. Carabine est correct. Bon, bon. On boit un peu. On met un peu de bûche. Un autre. On se prend un bon petit snack. On se prend, on se prend, on se prend, on se prend. Un fouet. Et oignon. Puis. Graines de tomates, aïe aïe. Bon. C'est parti. Fait qu'on va reprendre un petit peu de bois. Oh, il recommence à neiger. Oh, tabarnouche. Un autre ici. Un autre là. Peu du bien. On est rendu à combien? 28, 29, 30. C'est bien.
Trouves-tu la peine d'aller voir là? Peut-être. En ayant la clé, on peut rester bête. On peut en trouver une autre tout de suite. Avec plein de pièces d'armes. Ça se peut. Ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Excellent. Ça. Ici. Pas de pièce. Pas de coffre. Oh, attends. Non, c'est pas un coffre. Non, ça n'est pas un coffre. On s'en va. Parce que l'ours, il est juste à côté, hein? Non. On va aller voir dans ce coin-là. Des fois, il est de l'autre côté. Ça arrive. Excellent. Ici, yes sir. Ici, un autre. Donne-moi des balles. Des clous. Merveilleux. On en veut des clous. Mais ça se vide assez vite. On va voir quand je vais être parti en mode construction. Je sais que ça va être. Puis il n'y aura plus rien. Un petit claquement de doigts, puis fini. Plus de stock. Sanglier. Je suis dommage parce que je trouve quand on va sortir sanglier, mais le repas qui vient avec. Sans ça, il n'y a plus d'intérêt. Peut-être quand tu commences au début, peut-être intéressant, mais c'est les plats plus tard qui sont intéressants. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Il a goûté à ma hache, lui. Ouais. Pas besoin d'y refaire. Fait le tour des arbres pas mal. L'ours il est là. Désolé un petit peu, mais j'ai besoin un peu de bois. Voilà.
Oh, un beau petit poulet dans notre poulailler. On va aller le porter. Excellent. Bon, c'était le temps que j'en mette un aussi, là. Donc, on va le porter tout de suite pour être sûr de ne pas l'oublier. Tiens. Voilà, mon ami. Bienvenue. Amuse-toi. Grossis bien. Bon, on va se prendre une petite bouffe. Oh, mais t'as. Ça va être parfait, ça. Ça. Tiens. On est parti. Perle. Perle, perle, perle. Et voilà. Pas de perles. Commence à faire noir. Ben pourtant, on est. Non, on n'est pas en fin de journée. Là. Le soleil est là. Je sais que ce genre de température-là, je me fais toujours avoir. Je pense que je suis pas en fin de journée, mais on l'est, mais on sait plus où qu'il est le soleil. On est en fin de journée. Ouais. Ouais, ça s'assombrit. Pas grave, on est dans l'eau. Tant qu'on reste une certaine distance du rebord, c'est pas dangereux. Non, y a rien. Y a rien, y a rien, y a rien. Bon, on s'en va. On retourne à la maison. On prendra pas de risque pour rien. Bon, on arrive. Pas de perles dans le coin des fois. Non, pas pantoute. Remplir les gourdes. Ah, elles sont dans le feu. Allez, allez, allez. Ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Des steaks et œufs. On a une coupe 7, non, mais 10. Steak et œufs. 1, 2, 3, 4, 5. On va partir la génératrice. Non, partir une. Une génératrice pour avoir un petit peu de courant. Bon, une 15. Oh, enfin. C'est parti.
ça c'est fait, ça c'est fait. Fait que les œufs, on n'a plus. On va aller en chercher. On a une coupe 7, hein? 72. Pensez bien. Ça c'est beau. Bon. Ça ici, on va se vider un peu de ça. Des balles. Ça, c'est bien des tissus. Oh, Colin, on a une coupe. On va s'en débarrasser une coupe. Tiens. On se diminue un peu ici. Un autre là. 59 perles, n'est pas beaucoup. N'est pas ramassé beaucoup aujourd'hui, Colin. Bon, la bouffe, elle continue à se refaire. Un steak et F seulement. Un steak, tabarnouche. Attends deux secondes. Ici, nos plantations sont correctes. Le petit poulet, je pense bien qu'il est correct aussi. Ouais. Donc, on va s'occuper de nos plants. Ici, la raffinerie. Tout ce qu'on avait avait pas mal été raffiné. On a reprenait un peu ici. 15. Ça va pas vite. Ça va pas vite. Hey, c'est bon ça, par exemple. Ici, on rajoute de l'eau. Une petite choute ici, ici. Une autre petite choute là. Sont pas mal remplis nos plantations en eau. Ça, ça, ça. On met ça ici. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Tout roule, le beau temps commence à arriver. Un autre steak F. Donc, il reste combien? 3. L'enfer. Comment ça en prend? Le beau temps commence. Fait que... Ça, c'est bien, on est bien en ça, on est bien même un petit peu en bouffe, un petit... Tiens. La bourge, juste un petit coin. Bon, tiens, manger la pomme.
Bon, on va checker s'il n'y a pas une perle. Juste ici. Yes! Non. Pas de perle. Oh oui! Une là. Va falloir que je me refasse une nouvelle pioche bientôt. Tiens. Et c'est parti. Yes, sir. Une de prix. Mais tantôt, mes dernières journées, je n'ai pas pris beaucoup, par exemple. Puis si je veux tenir mon objectif, faut que je continue. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Au début de journée. Colin, on s'en va tout de suite de l'autre côté à la place à Chupin. On a une clé pour le coffre militaire. On se rend là. On y va. Le petit lapin, viens-t'en, toi. Viens. Ah, oh, le petit maudit. Oh, il m'a senti. Vu qu'on est en début de journée, habituellement, je suis jamais ici en début de journée, fait que j'ai hâte de voir. Non. On va le trouver. Aïe. Habituellement, je venais tout le temps ici, puis il y en avait tout le temps un, mais là, je sais pas qu'est-ce qui se passe en Hard. Depuis que je viens, j'en vois plus. Même à normal, j'en vois, mais en Hard ici, je sais pas. Y a-tu changé quelque chose dans le codage ou. Je trouve. Très rarement le coffre. Je pense que ça doit être à Hard tout court que je pense que c'est très rarement que tu découvres le coffre.
Mais pourtant, je vois Achille qui en trouve tout le temps avec plein de pièces d'armes. Elle maudit chanceux. On dirait que c'est moi qui ai pogné juste avec ça, là, avec l'histoire des pièces d'armes. Tiens-toi. Bon, les petits varecs, c'est sûr qu'on le prend. Et c'est parti. Enfin, une autre perle. Il va falloir se refaire une autre pioche bientôt. Très bientôt. Parfait, ça. Merveilleux. Yep. On va pas chercher ça. On n'a pas besoin. Oh que non. On va juste regarder ici. On n'a pas non plus. Le varec, non. Bon. Oublie ça, les perles. Ça donne rien, Dominique. Absolument rien. On continue. De coton. Puis une graine. Ouais. Moi, c'est pas un coton. Moi, c'est une graine. C'est encore mieux. J'aime bien mieux ça. Oh, 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 oh. Loup. Hop. Oh yes! Juste 7 en dessous. Wouhou! Et une autre perle. Merveilleux. Je suis content. Hein? Fait que... rien d'autre. Ah, une autre perle là. Parfait. On s'en va la chercher. On y va. Je pense que tu dois être pas grand. On a tout notre temps. Et voilà.
Ben. Ben, Colin, on a quoi? 4 perles. On s'est repris pour toutes les autres journées qu'on n'avait pas repris. C'est parfait, ça. Ça fait. Je pense que ça fait pas loin d'un équilibre. Peut-être un de moins que prévu, mais quand même, on a. On a quasiment tenu l'objectif. Voilà. Tiens. Ok. Soixante-trois perles. Merveilleux. Du coton. Parfait. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On a bien fait ça. Bon, ben moi, je vais arrêter là-dessus pour ce soir. J'ai un rendez-vous demain matin à 8h du matin chez le dentiste. Fait que... il faut que j'aille me coucher si je vais être en forme. Me passer à soie dentaire et tout. Là, je fais juste ça quand que je vais voir le dentiste. Sinon, ben non, c'est pas vrai. En passant, hein. Conseil, ne jamais dire au dentiste que vous passez la soie dentaire quand vous ne la passez pas. Parce qu'on le sait. C'est pas compliqué. On le sait tout de suite, quelqu'un qui passe la soie dentaire et qui ne passe pas. Fait qu'il ne faut pas mentir. On est au courant. Fait que, ben, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ça a été belle fun. T'es un petit peu déçu ce soir à Hunting Simulator 2. Je vais y penser encore. Je me demande même si je vais pas me faire rembourser. Honnêtement. Un petit peu déçu. Vraiment déçu. Si c'est ça, un simulateur de chasse, là, désolé, c'est pas ça. C'est pas ça pantoute. T'es pris dans la boîte. Ah, t'es dans... Ben, j'ai manqué proche de le partir tantôt, mais... vu que je pouvais pas me connecter avec vous autres, j'aimais mieux Pépito que je regarde ça, puis que... tu sais, que je règle le problème du multi, là. J'ai manqué proche de le partir tantôt, mais j'ai dit, sans ça, si vous êtes pas là, ça... ça aurait été le fun d'avoir toi pis Beaufix aussi, là. Ça aurait été le fun, les trois ensemble. Mais je regarde ça dès demain. Demain, je regarde ça. Je vais essayer de régler le problème. Avec le maudit Epic Game. Fait qu'en tout cas, ben, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ça a été vraiment le fun. Fait que, on va continuer sur Substance Hard. On n'a pas fait grand chose aujourd'hui, mais on a augmenté quand même un peu. Hier, on avait vidé beaucoup. Là, les deux frigidaires nous en demandent beaucoup au point de vue de l'électricité. Mais ça va bien. On n'est pas mort encore aujourd'hui. La subsistance, qu'est-ce qu'on calcule? C'est les morts. Fait que ça fait partie du jeu. Fait que, ouais. Ben, en fin de semaine, c'est sûr, Pépito, je reviens sur SnowRunner, là. Check ça, au pire aller, je t'écrirai avant, quand je vais le savoir à peu près, je t'enverrai un message au pire aller sur Discord. Un message privé comme quoi que je regarde peut-être, je sais pas quand. Demain, on en revient sur Subsistance avec la gang, puis de toute manière, on va revenir tard hier. Demain, je veux dire. Parce que oui, moi, demain matin, c'est à 8h, chez le dentiste. Après ça, c'est choupine. À 2h de l'après-midi, puis... en tout cas... ils sont longs, ces dentistes-là, mais... j'ai compris un peu, hein. Je connais ça un peu, on connaît ça, fait que... c'est plus long qu'à d'habitude. Mais aussi, pas à cause que je placote. Je placote pas, moi, pas en tout, moi, placote pas. Je suis pas un placoteux. Fait que, bonne soirée, tout le monde. On se dit à demain. Un petit peu plus tard habituellement que les vendredis habituels, mais on va être là pareil. Puis en fin de semaine, là, c'est sûr, j'ai bien d'idées. J'étais en train de regarder dans mes vacances aussi, puis j'étais en train de me prévoir quasiment une cédule de jeux, les jeux. J'en ai des jeux en attente, là, que je veux partir aussi, qui va être le fun. Puis continue aussi, bien sûr, mon jeu préféré, qui est Subsistance.
Fait que, bonne soirée tout le monde. Merci. Merci Pépito. Merci Beaufix encore. Bonne soirée, puis on se dit à demain. Fait que, salut!